Thank you.
maybe more calm. Will you be more calm? Oh, yeah.
Jason. Nous allons continuer avec les mystères épouses. On les a donné une salle, c'est une salle communautaire comme Simpson. Ils sont les seuls responsables de la salle. Donc c'est eux-mêmes qui gardent la salle. Donc il a fait les travaux, donc c'est vraiment comme leur église. Alors il va faire la dédicace le 26 janvier. Donc il m'a invité le 26 janvier. Donc je vais aller là-bas pour fêter avec la salle ce 26 janvier qui vient. Donc il y aura deux réunions le samedi, je crois que c'est le 25 ou le 26 comme ça. Donc le samedi, le week-end du 26 janvier, il y aura deux réunions samedi et dimanche. Je pense que j'irai là-bas pour les assister. Amen. Et aussi, voilà, Howard de Singapour, on a confirmé sa venue pour le 24 mars, le 24 mars, donc on aura réunion avec lui, le 24 mars, je vais voir les dates un peu. Je vais voir les dates pour être sûr, le 24 mars. Donc ça sera oui, le 23 et le 24 pour Barahawad. Il arrive ici jeudi le 21, donc on va prêcher le 23 et le 24. Donc je vais parler avec Peter pour réserver la salle. Et le frère Faustin, c'est le 25, le 26 et le 27 qu'ils ont dédicace. Il serait là-bas ce samedi-là et ce dimanche. Voilà. Être sûr. Que nous allons ouvrir la Bible, la livre de Ephésiens, le chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, je pense qu'on a le verset 31. Et 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Béni sois-tu, Dieu bien-aimé. Combien nous sommes reconnaissants, Dieu. Quel privilège pour nous d'être l'épouse et une partie de toi-même, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette nette compréhension de saisir ces mystères épouse, Père bien-aimé. Que nous puissions, Seigneur, nous tenir dans une position où nous reconnaissons, Seigneur, notre pouvoir et notre autorité. C'est ça le message que tu as envoyé à ton prophète. C'était pour nous rappeler ce que nous sommes en réalité. Oui, Père, dans ce monde, nous sommes entrés dans, les enseignements de ce monde, Père bien-aimé. On nous a enseigné d'une manière, quelque part d'autre, que
tu es différent de nous, Seigneur. Mais au travers du message de Frère Branham, nous avons compris, Père bien-aimé, que nous ne sommes qu'un avec toi. Et c'est ce grand mystère que nous sommes en train d'étudier, qui a été révélé, Seigneur, lors de la descente de la nuée, comme l'a dit ton prophète, parmi ces grands mystères, c'était au travers de l'Apocalypse chapitre 10, lorsque l'ange puissant est descendu, il nous a aussi ramené ces grands mystères. Et pour, merci infiniment, Seigneur, bénis la lecture de ta parole, bénis chaque croyant ici présent, Seigneur, bénis aussi ceux qui ne sont pas là aussi. Laisse que tout soit pour ta gloire, dans les précieux noms de Jésus-Christ, nous t'appuyons ainsi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et dernièrement, on avait dit que l'épouse était aussi les lieux d'adoration. C'est-à-dire, on ne trouvera Dieu nulle part que dans l'épouse. Donc l'épouse est Dieu lui-même. Amen. Donc quand l'épouse revient, quand Jésus revient dans sa troisième venue, il revient comme l'épouse. Comme je l'ai dit la fois passée, the bride coming of Christ. Donc Jésus qui revient dans sa troisième venue, il revient comme une épouse. Et dans cette troisième venue, Dieu devient l'épouse parce qu'il est dans son peuple. Et ce passage d'écriture que le frère a utilisé dans le message des lieux d'adoration que Dieu a choisi. Le frère Branham, il est Malachi 4. Quand on parle de Malachi 4, on voit Élie et on voit Moïse. Quand on voit Élie, c'est pour ramener le cœur des enfants au Père. C'est pour reconstruire l'autel, pour reconstruire l'adoration. Parce que cela a été brisé dans les jardins d'Éden. Lorsque Adam chuta, l'adoration a été brisée. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il soit, n'est-ce pas, son Dieu et qu'il lui puisse l'adorer. Et cette adoration a été brisée. Dieu a déclenché la rédemption pour ramener l'homme dans cette position-là. Et la Bible dit que tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Frère Branham dit dans cette prédication que pour adorer d'abord Dieu, il faut trouver là où Dieu a placé son nom. Donc, on avait dit que le secret de l'adoration, c'était le nom, les lieux et l'objet. Les noms, les lieux et l'objet. Et toutes ces trois conditions doivent être réunies pour aboutir à une adoration parfaite. Or, le frère Madame nous dit l'adoration parfaite. Le frère Madame nous dit que durant les âges de l'Église, même le nom du baptême a été changé. Ils ont changé le nom de Jésus-Christ par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et durant les âges d'Église, Dieu était en train de restaurer son Église pour ramener la véritable adoration. Et le nom a été rétabli et le nom avait compris que c'était Jésus. Et le lieu, c'est la chose qui change. Selon le frère Branham parle du mystère, dans le cinquième mystère, il dit le cinquième... Ça, c'est le cinquième mystère. Le sixième mystère, il dit le mystère de celui de Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le septième mystère, c'était la sagesse et la divinité restaurées dans l'homme. Or, les lieux, c'est ce qui exprime le Christ et le, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il ne fait que changer le lieu. Il avait changé le lieu d'abord. Il était en Jésus. D'abord, il était dans Moïse. Il a changé, il est venu en Jésus, il a changé, il est venu dans les frères Branham. Tous ces gens-là, ils étaient les lieux d'adoration. Comme Jésus, quand il est venu, il regarde le temple de Jérusalem, il dit, détruisez-moi ce temple, dans trois jours je l'ai bâti. Les gens pensaient que Jésus parlait du temple, qui était le bâtiment. Or, le véritable temple qu'il parlait, c'était son propre corps. Il était lui-même le temple, il était lui-même les lieux d'adoration. Amen. C'est là que Dieu habitait. Et Jésus adorait un Dieu qui était en lui-même. Amen.
Et quand on comprend maintenant les lieux, et aussi nous allons chercher l'objet. Et l'objet, on avait dit que c'est ce logos-là qui a commencé. Depuis le commencement, qui a appelé le monde en existence, c'est ce logos-là qui s'est toujours déplacé. C'est pourquoi Jésus a dit, à bientôt le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Et Jésus, en quittant la scène, lui, le logos, il est revenu, n'est-ce pas, dans la chambre haute et se divisa dans les disciples. Le même Jésus, la même colonne de feu, quand il est parti, il a changé sa forme. On avait vu ça dans Je m'en vais au Père. Le fait qu'on a dit, quand Jésus disait que je m'en vais au Père, il dit en d'autres termes, il voulait dire je repars dans la condition de la colonne de feu. Et quand il revient maintenant, dans la chambre haute, le même Jésus se divise là en morceaux et habita dans les disciples. Donc quand on voyait Pierre, on voyait tous les disciples, c'était le même Jésus de Galilée qui était en train de marcher dans la rue. Mais les gens maintenant, pour eux, comme ils étaient là, ils sont restés là. Même les Juifs, pour eux, les lieux d'adoration, c'était Moïse. Quand ils ont posé la question, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit que les autres disent que tu es Moïse, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Pour eux, les lieux d'adoration, c'était toujours Moïse. Pire encore, pour eux, les lieux d'adoration, c'était le tabernacle dans le désert. Pourquoi ils allaient adorer là-bas? Parce que Dieu descendait dans la. Dans les tabernacles, au travers de la nuée de gloire, au travers de la colonne de feu. La chose qui les a menés là-bas au temple, ce n'était pas le temple, c'était l'objet de l'adoration qui descendait dans le temple. Voilà pourquoi ils allaient au temple. Et une fois que cet objet-là quitte, ils devaient aussi quitter le temple. Mais eux, ils sont restés connectés au temple pendant que l'objet de l'adoration était déjà déplacé. Et c'est la chose la plus difficile pour le croyant. L'objet de l'adoration, c'est la chose qui se déplace. Et Pierre, Jean, tous les disciples, quand ils ont compris que le même Christ était maintenant en eux, ils ont commencé maintenant à adorer les dieux qui étaient en eux. Et les femmes ont dit que Pierre n'avait pas compris Jésus. Et il voulait défendre Jésus par son intelligence. Jésus lui a dit quoi? Ailleurs de moi, Satan. Mais lorsque Jésus lui-même est venu habiter dans Pierre, Pierre maintenant dit, homme galiléen, l'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui, Christ est Seigneur. C'est-à-dire que vous avez mal compris la divinité. La divinité n'était plus au ciel. La divinité était dans l'homme que vous voyez ici. L'homme de Jésus qui se promenait dans la rue, c'était lui cette divinité. Mais il a été mal compris. Les Juifs sont restés avec Moïse. Ils sont restés avec Abraham jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi la femme a pu dire à Jésus-Christ que non, nous on nous avait dit que nous adorerons sur la montagne. Vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Amen. Donc le temple, c'est Jérusalem. C'est là que Dieu descendait. C'est là que se trouve le lieu d'adoration. Tout le monde doit aller là-bas au temple pour adorer. Mais pour la Samaritaine, le lieu d'adoration, ce n'était pas au temple. Le lieu d'adoration, c'était sur la montagne. Parce que Dieu descendait sur la montagne. Qui avait raison, qui avait tort? Oui, dans le temple, Dieu était là. Oui, sur la montagne, Dieu était là aussi. Mais Dieu était où? Mais comme il y avait Jésus devant elle, Jésus qui est lui-même le Saint-Amant, Jésus dit, ok, ça ne sera ni sur la montagne, ni dans le temple qu'on adorera le Seigneur. Il dit, mais c'est dans l'esprit et dans la vérité. Celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Ça ne sera ni dans le tabernacle, ni sur la montagne. Dieu avait changé son lieu d'adoration. Jésus-Christ qui était devant la femme là, il était lui-même le temple qui abritait Dieu. Dieu était dans l'homme de Galilée. Et lorsque l'homme de Galilée commença à parler, la femme l'a dit, « Sœur, je pense que tu es prophète. » Parce qu'on nous avait dit, quand le prophète viendra, lui, il nous dira toutes ces choses. Jésus dit, « Jésus, c'est lui qui a été promis. »
Et la femme commença à crier. Femme a dit, la femme a reconnu Jésus par ce qu'il avait fait. Et nous avons vu la même chose. Être fait dans cet âge, ça dit que le même Dieu qui avait fait la même chose là-bas était revenu maintenant dans l'homme de William Branham. Et l'homme de William Branham est devenu même le temple qui abritait Dieu. Comme au temps des disciples. Et il ne pouvait pas comprendre Dieu. Il fallait d'abord que Jésus puisse partir et renvoyer les Saint-Esprit, c'est-à-dire la colonne de feu en eux. Et c'est la chose qui les avait donné la compréhension. Et aussi nous, quand le frère Branham était ici, il contenait lui tout lui-même. Quand le frère Branham est parti, la colonne de feu est restée dans son peuple. Et ça nous donne la compréhension maintenant. Et le frère Branham dit que, le frère Branham dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est croire la parole. Ce n'est pas de parler en langue, c'est croire à la parole. Et le frère Branham dit ceci, dans le lieu d'adoration, dans les noces de l'agneau. Il dit, il fait, en effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Amen. Amen. En parlant du lieu, l'épouse, c'est le lieu d'adoration. Le frère nous dit que vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. C'est-à-dire que tout celui qui adore, ou tout celui qui prie, ou tout celui qui fait quoi que ce soit en dehors du lieu d'adoration, pour commencer, il est déjà dans le faux. Il est déjà dans le faux parce que tu es au mauvais endroit. Amen. C'est comme si tu vas là, tu as froid, au lieu d'allumer le chauffage, d'aller là où ça fait chaud, mais toi tu vas aller dans le chauffage gérateur. Tu auras encore plus froid. Pourquoi? Parce que tu es au mauvais endroit. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car ceux-là, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Des fois, on me dit, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Amen. C'est là le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. Si on vous dit qu'on distribue l'argent, ok, chaque personne va recevoir mais 1 million de pounds. C'est la reine d'Angleterre qui distribue l'argent. Le lieu de la distribution, c'est Buckingham Palace. Toi, tu dis que non, moi, je n'irai pas là-bas. Moi, je vais aller, je ne sais où, au Westminster. Dites à la reine de venir ici. Vous pensez que la reine va se déplacer. Donc, ça veut dire que tu n'auras pas l'argent parce que tu es au mauvais endroit. Tu connais la reine, tu sais qu'on donne l'argent, mais tu es mal placé. Et Dieu n'a pas placé son nom en dehors de l'épouse. C'est pourquoi on dit que l'épouse devient maintenant ce lieu-là. Voilà. Donc, tout celui qui n'est pas dans l'épouse, automatiquement, il est dans les faux. Amen. Voilà pourquoi quand l'épouse vient, l'épouse avec la divinité qui est en elle, elle comprend facilement la parole. Amen. Quand l'épouse comprend la parole, elle regarde et dit, oh, mais je suis déjà épouse, cela veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mmh. Cela veut dire que le mariage a déjà eu lieu. Parce que maintenant, je suis devenu Jésus. Je ne peux pas devenir lui si ce n'est pas par le lien du mariage. Mmh. Donc le lien du mariage a déjà eu lieu. Maintenant, tout celui qui n'est pas dans le lieu, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'épouse, il cherche encore les promesses dans le futur. Mmh. Or, être dans l'épouse, ce n'est pas simplement dire que je suis l'épouse. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es épouse? Être épouse, c'est être bien positionné dans le lieu. Et l'épouse étant là-dedans, elle vous attend. Parce que ce n'est pas simplement l'épouse qui est dehors. Même les gens qui sont dehors doivent aussi venir manger la noix. C'est pourquoi le frère Branham dit que quand vous priez, ça m'empêche de dormir. Parce qu'il était le lieu. Le Dieu que tout le monde adorait habitait dans le frère Branham. Il dit que quand vous priez toute la nuit, ça m'empêche de dormir. J'ai des insomnies. Pourquoi? Parce que le trône, quand les gens cherchent le trône de Dieu n'a jamais été une chaise. Amen. Le trône de Dieu, ça a toujours été un homme. C'est le cœur de l'homme. Amen. À chaque fois qu'on cherche Dieu, on le cherche dans le cœur de l'homme.
Jésus était lui-même Dieu. Il était lui-même le trône. Dieu habitait en lui. Et l'épouse aujourd'hui, elle est le trône de Dieu. Et le trône, il n'y en avait que trois. Avec Moïse, avec Jésus. Et dans l'épouse, c'est fini. Il n'y a aucun trône. Le dernier trône, c'est l'épouse. Quand Dieu prend la place dans le trône de l'épouse, ça veut dire que tout ce qu'il doit exercer comme travail dans le trône, c'est le dernier trône. Si vous attendez maintenant le jugement du trône blanc dans le futur, ça veut dire que vous êtes perdu. Parce que le trône, le dernier trône est déjà dans l'épouse. Et après l'épouse, il n'y a plus de trône. Parce qu'il est devenu le lieu d'adoration. C'est le lieu où il va choisir de mettre son nom. Tous les autres, si vous vous confiez en eux, c'est quoi? Vous mourrez. Dites amen. Amen. En dehors de l'épouse, c'est la mort. Non, moi, mon église. Les femmes me disent, écoutez, oh, moi, mon église, la grande église, nous avons construit 4 étages, tout ça, nous sommes la plus grande église de la ville. Zéro. Chaque église, comme je l'ai dit, toutes les églises, ce sont des loges. C'est comme la maïcarie, la franc-maçonnerie, les églises du message, tous pareils, les pentecôtes, ce sont des loges. Puisque Dieu n'est plus là-dedans. Peut-être avant, on pouvait trouver Dieu dans l'église. Mais maintenant, parce qu'au temps des Juifs, Dieu descendait vraiment dans les tabernacles. On est là pour vraiment la colonne de feu qui descend. On sait que Dieu est là. Maintenant, avec le même rythme là, quand Jésus est arrivé, ma Kambouyaba temple est scellé. Quand Jésus est crucifié là-bas, les gens ont regardé le temple comme ça. Les rideaux se déchirent. Tu vois. Pour dire que tout ce qui est temple physique, temple matériel, c'est fini, je ne suis plus dedans. Voilà. Oh non, l'âge d'alliance va se voir. Non. Faites voir l'âge d'alliance parce que Dieu n'est plus dedans. Parce que l'âge d'alliance, ce n'était pas Dieu. Dieu est entré là-dedans. Mais Dieu a changé le lieu. Il a maintenant pris le corps de Jésus qui est en lui. Et quand il finit avec Jésus, il va maintenant dans l'épouse. Et on le voit maintenant dans les 7 âges de l'église, dans le chandelier, voilà. Dans les disciples, dans les messagers. Et chaque messager était Jésus. Amen. Parce que lui d'abord, parce que Jésus n'est pas un homme, Jésus c'est la parole. Il reçoit la parole. Quand on reçoit la parole, c'est ça Jésus. C'est pourquoi le frère Abraham dit que je ne verrai même pas aller au ciel. Maman. C'est le frère Abraham qui dit. Il dit, j'aimerais aller dans la parole, pas au ciel. Il dit que parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. N'allez pas au ciel, allez dans la parole. Quand les gens disent, non, frère, nous irons au ciel, ça va passer. Parce que le ciel, là, vous allez passer, c'est 3 ans et demi. Après, tu vas retourner ici. Après le retour du 3 ans et demi, il n'y a aucune promesse de repartir encore. Voyez, il est là en haut. Et pour dire que vous attend ici avec ces bombes. Voilà. Bon, je ne sais pas. Parce que les gens pensent qu'en retournant ici, ils auront des corps surnaturels. Ça veut dire que les bombes vont exploser et ils vont traverser le feu. Non. Tu reviendras, tu payeras les mêmes factures. Tu reviendras, tu auras les mêmes travaux. Pour dire que ce n'est même pas comme ça. Bon, le problème, c'est que vous n'êtes pas dans les lieux d'adoration. Voilà pourquoi vous avez une mauvaise compréhension de la divinité. Les frères m'ont dit. Mes amis, je ne veux pas blesser. Mais je suis responsable des messages. Et ce message, c'est quoi? Sortez de cette souillure. De cette saleté. Les frères m'ont dit. Pourquoi je suis contre la dénomination? La dénomination, c'est le contraire de la pensée de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu dit A et il dit B, c'est ça la dénomination. C'est une souillure. C'est le repère des démons, des sorciers impurs. Parce que un démon, c'est un tourmenteur. Il vient pervertir la parole. Frère, on dit que le diable est un pervertisseur. Quand on vous dit que l'enlèvement, c'est comme ça, le diable vient aussi pervertir. Il vous dit que l'enlèvement, nous allons voler. Vous allez voler pour partir. Les milléniums, la parole de Dieu vient pour vous dire que les milléniums, c'est juste un repos. Vous, on vous a dit dans les milléniums, il y aura
le lion et l'agneau vont être ensemble. Vous vous attendez vraiment que le lion et l'agneau puissent devenir des amis? Les amis. Un frère m'a dit, frère, vous venez de faire la réunion. Je vais t'amener au zoo. Je vais te mettre là. Comme ça, tu seras là avec les lions. On va voir si les lions ne vont pas te manger. Il m'a dit, frère, on va me manger. Tu es méchant. Mais pourquoi je dis que j'ai le millénium? Moi je dis bon, mais il s'agit de quel lion? Quelques temps après, il est parti lui-même en Afrique du Sud. Il est entré dans le parc. Les gens ont dit non, tu peux entrer dans le parc, on ne va pas te faire du mal. Il était devant, si c'est un guépard ou un jaguar comme ça, qui ne lui faisait pas du mal. Il prend la photo et met sur Facebook. J'ai quitté, voici dans le millénium. Bon, si c'est ça, le millénium, tu dois croire que tu es dans le millénium. Parce que tu m'avais dit d'aller là-bas, c'est bon, manger. Bon, moi j'ai dit, je n'entrerai pas. Mais toi, au moins, tu es en tête. Tu étais avec un animal sauvage, mais on t'a pas bouffé. Donc tu es dans le millénium, alors. Et là, c'est le mari. Ah. Donc, une mauvaise compréhension. Sortez de cette tuyau. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Je vous amène où? Oh, le Eric Tabernacle. Là, vous êtes mort. Non, pas Eric Tabernacle quand même. Hein? C'est une petite église là-bas quelque part. Hein? À Milton Keynes. Moi, je vous amène à Branham Tabernacle. Parce que là-bas, c'est même les noms. Les noms. Enfin, on m'a dit que Branham Tabernacle, c'est le guichet du message. Moi, je dis encore, frère Branham, dis-nous. Si vous demandez de sortir, est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerai à Branham Tabernacle? Frère Branham dit, il est aussi fautif que n'importe qui des autres. Voilà. Bon, là, c'est réglé. Ouais. C'est Branham Tabernacle, là où on a prêché le saut. Là où l'homme, le prédicateur, le plus grand prédicateur de l'âge, qui était le pasteur, là où l'homme le plus saint dans cet âge, William Branham était, est déjà écarté. Vous serez en église là. Voilà. Frère Branham dit, même Branham Tabernacle est fautif comme tous les autres. Maintenant, vous allez m'amener dans quel tabernacle? Toutes les églises que vous voyez, frère, c'est les églises de Satan. Dieu n'habite pas dans l'église. Dieu, on l'amène à l'église. Il n'habite pas dans l'église. Dans toutes les églises, c'est Satan qui est là. Parce que Frère Branham dit que quand nous sommes dans l'unité avec Dieu, on n'aura pas de problème parmi nous. Mais tu vois, dans les églises, là, c'est des grands problèmes. Cagnacre. Comme disait le frère Sylvain, le pasteur a ses informateurs dans l'église qui sont en train d'espionner les gens de l'église. Mais ça, c'est la politique, frère. Vous pensez que Dieu peut habiter dans quelque chose comme ça? L'amour ne soupçonne point du mal. Pourquoi est-ce que le pasteur a des espions? Vérifiez bien tout ce que le frère là dit. Viens le dire. Et quand on vient lui dire maintenant, au lieu de prêcher la parole, il commence à prêcher ce qu'on lui a dit. Et vous êtes là, amen, amen. C'est une souillée. Sortez. Frère Branham dit que le message de cette évangile, c'est faire sortir les gens de la souillée. Les églises pentecôtistes, baptistes, presbytériens, les églises du message. Les amener dans la parole. En Christ. Qui est Christ? Frère Branham dit, où est-ce que je vais vous amener? Mais il y a un endroit où je vais vous amener. Où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. Amen. C'est là où vous allez voir maintenant que Jésus-Christ est l'épouse, c'est la même personne. Parce que le frère Branham dit, il va vous amener en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui y entrerait. En Christ Jésus. Ce n'est pas l'homme de Galilée parce qu'il n'est plus là. Si l'homme de Galilée était le lieu là, il allait être là. Mais il n'est plus là. Mais on nous parle de Jésus-Christ, il est véritable. Parce que là, c'était un Jésus partiel. Pour un temps, pour une mission. Comment est-ce que les gens ont fait de cet homme les dieux puissants? Non, c'était un homme.
Il n'a pas commis le péché, mais il a pris le péché sur lui. Or, Dieu ne peut pas prendre le péché. Quand il est mort à Gethsemane, Dieu l'avait quitté. Et si l'homme-là, de Jésus, Dieu pouvait le quitter, vous suivez? Non. La chair était l'homme, frère Balondi. Mais l'esprit au-delà était Dieu. Ma chair était un homme. Mais mon esprit, c'est Dieu. C'est exactement la même chose. Frère Balondi, vous êtes en sécurité protégée de la mort. C'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu auquel je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui entrerait, qu'il adorerait avec elle et festoyerait avec elle. C'est en Christ, pas dans une église, pas dans un tabernacle. Merci, frère Valent. Le lieu d'adoration, pas dans une église. Le frère Valent précise, pas dans un tabernacle. C'est nous qui appelons le tabernacle. C'est nous les gens du message qui avons pris l'identité de tabernacle. Aucune église. Il faut vraiment continuer. Il y a des braves gens dans le monde, des bonnes églises. Oui. En tout cas, l'église là, c'est une bonne église. Oui. Mais il n'y a qu'une madame Jésus-Christ. Et c'est elle qui vient chercher, qui vient chercher. C'est là que se trouve son nom. Oh, le frère Branham dit que c'était en Christ. Le seul lieu, c'était Christ. Mais là, le frère Branham nous dit que le nom est placé dans Madame Jésus. Amen. Le nom est placé dans Madame Jésus. Mais c'était en Christ. Et maintenant, c'est dans Madame. Donc, c'est-à-dire, le lieu est accordé. Il n'y a qu'un seul lieu. C'est là où on comprend maintenant que Jésus est devenu maintenant épouse. C'est là que se trouve son nom, c'est là que se trouve son adoration. En elle et en elle seule. C'est vrai, oh oui, messieurs, nous voyons que c'est vrai. L'épouse est devenue maintenant elle-même Christ de l'âge. Elle est devenue le lieu. Pourquoi? Parce que Christ habite en elle. De la même manière que Christ habitait dans les tabernacles, aujourd'hui Christ habite dans l'épouse. Et l'épouse devient elle-même Christ. Elle était la lune dans les âges de l'Église. Mais le frère Branham nous dit, elle n'est plus la lune, elle est devenue elle-même le soleil. Parce qu'en réalité, la lumière de la lune, c'est toujours la lumière du soleil. Qui s'est reflétée. Mais vous allez voir que cette lumière-là, la lune n'a aucune lumière. Comme la lune reflète la lumière du soleil, au fait, en réalité, la lune n'est pas le soleil. Elle est devenue elle-même le soleil, le frère Balondi. Dans le message, nous avons vu sur l'étoile. Il dit, la lune et le soleil sont mari et femme, pour ainsi dire. Et en l'absence du soleil, la lune réfléchit la lumière du soleil vers la terre, donnant à celle-ci une lumière moindre, afin que nous puissions voir comment nous déplacer à l'aide de la lumière de la lune jusqu'à ce que le soleil se lève. Durant la nuit, si vous allez dans des villages, quand il y a la lune, les gens peuvent marcher. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de lumière pour voir les petits détails. Voilà pourquoi dans les âges d'église, les gens ne pouvaient pas comprendre les choses. Quand on est dans les âges d'église, quand on dit que nous aurons l'enlèvement, c'est normal que les gens pensent que nous allons nous envoler. Parce que c'était une petite lumière, n'est-ce pas, de la lune. Mais quand on arrive dans le lever du soleil, c'est là où nous sommes maintenant dans la grande lumière, où nous pouvons voir même des petites choses, des miniatures. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, comme disait le frère, aujourd'hui le message, nous sommes dans les nanotechnologies. Jusque dans les petits détails, on décortique les moindres petites choses, des petits sujets, enlèvements, tout à nous décortiquons. Des fois, madame disait, en fait, nous puissions voir comment nous déplacer à l'aide de la lumière, de la lune, jusqu'à ce que le soleil s'élève. Et alors, le soleil et la lune deviennent un. Or, nous savons que le soleil, c'est Christ. La lune, c'est l'épouse. Quand on arrive maintenant dans la journée, la lune disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'elle n'a pas de lumière. La lumière qu'elle reflétait, c'était le soleil. Et le soleil revient maintenant. Avec sa lumière, la lune n'a plus de travail à faire.
Et quand l'épouse rêvait maintenant dans le lever du soleil, elle rêvait elle-même le soleil. Amen. Donc la venue du soleil, c'est la venue de l'épouse. Pourquoi elle est venue faire quoi? Elle est venue pour exercer un jugement parce qu'elle est le lieu de l'adoration. Elle est le lieu, le trône de Dieu. Dieu ne peut pas exercer son jugement dans une église. Ça ne marche pas tout simplement. Amen. Amen. Les femmes ont dit dans la loi de grâce, paragraphe 36. Mais lorsque vous voyez réellement ce que Jésus était, oh là là, comme j'aimerais prêcher la divinité suprême de Jésus-Christ, si donc vous pouvez donc réaliser qui il était et ce qu'il avait fait pour vous, hommes et femmes, vos cœurs se déchireraient au-dedans de vous. Et vous seriez disposés à vous débarrasser des ordures du monde, afin de vivre pour lui. Oh, comme c'est merveilleux, quelle personne il était. Si vous vous rendez compte que la condescendance de Dieu lui-même se dévoila lui-même, descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Dieu lui-même descendant, Fabian dit jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Parce qu'il voulait devenir un homme. Le Fabian dit que Dieu descendait dans l'homme pour adorer et être adoré. Donc Dieu lui-même crée son lieu d'adoration dans son épouse. C'est-à-dire qu'il descend dans le cœur des croyants. Parce qu'il avait un travail à fournir. Mais alors, il doit devenir un avec l'homme. Comment est-ce qu'il devient un avec l'homme? Le frère Madame nous explique dans la prédication Oneness. L'unité. L'unité de Dieu et son épouse. Le frère Madame dit c'est Oneness. C'est ça le but de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un avec sa famille. Sa famille reste Adam et Ève. Et la seule chose qu'il faisait qu'ils étaient un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. Ils avaient la nature de Dieu en eux. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas Dieu en soi. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui adore Dieu. Tout ce que les gens font dans les églises, s'ils n'ont pas la divinité, ils perdent du temps. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Mais de toute façon, tu n'as pas Dieu. Parce que tout ça, c'est le choc des lois de la nature. On ne peut pas calquer Dieu par rapport à la direction divine. Ça, ce sont des petites choses. Mais la véritable chose, le but de la parole de Dieu, c'est de rendre les hommes des dieux. Amen. Parce que c'est ce que l'homme était. Et l'homme a toujours été Dieu. Parce que la divinité ne l'a même pas quitté. Et nous sommes des hommes privilégiés. Quand nous sommes venus déjà des dieux, déjà restaurés. Mais nous étions simplement de l'amnésie. On ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'on a vu Branham nous a dit même, vous avez déjà la restauration de votre divinité. Maintenant, quand je reconnais déjà ma divinité, mais je vais partir où? Je vais partir dans les bois pour aller chercher quoi? Est-ce que la nourriture est plus la divinité? Si nous allons partir manger, nous allons manger quoi? Que nous ne mangeons pas ici. Peut-être là-bas c'est le bio. Comme les bio c'est cher ici, là-bas ça sera gratuit. Or, les bio, c'est juste pour ne pas détruire votre santé. Or, quand tu vas là-bas, tu n'as plus besoin de Dieu parce que tu n'as pas de santé à détruire. Même ici, même si tu manges le bio, tu vas mourir. Mes ancêtres, ils ont fait des 600 ans, 900 ans, ils sont morts. Et aujourd'hui, nous, même si tu manges comment tu vas mourir. Donc, au ciel, donc, enlever cette hypothèse d'aller manger là-bas. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Qui va préparer pour vous? Et quand les gens ont vu le morceau de rôti tomber du ciel, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils se sont dit, ah, mon Dieu, nous sommes dans l'école de l'âme. Mes frères, mais comment est-ce que les gens ont mangé au désert, où la manne est tombée, ça tombait du ciel. D'abord, on faisait dire que Dieu est là-bas. Frère Madame dit que au ciel, il n'y a pas de réchaud. Donc, ça dit que la fête des noces là que les gens pensent, on va préparer. Qui va préparer? Non.
Non, l'épouse doit quand même. Bon, les membres de l'église, pas l'épouse comprend déjà. Les membres de l'église doivent stopper quand même et dire, ah, frère, ça fait longtemps que nous attendons des millénaires. Ça fait longtemps que nous attendons l'enlèvement. Frère, examinez un peu ce que peut-être qu'on avait mal compris. C'est ça qu'on a fait. Nous tous, on attendait toutes ces promesses-là. Mais lorsque nous sommes arrivés devant la parole, on dit, oh, les septièmes sont là. Mais les femmes vont dire que l'épouse, c'est dans les quatrièmes sauts. Nous sommes déjà dans les septièmes sauts. Oh, frère, toi, tu as la matambo. Toi, examiné mon âme. On a regardé, on a regardé, on a examiné, on a compris. On dormait. La chose là, c'est du passé. C'est-à-dire qu'on avait une mauvaise compréhension. C'est là où on a avancé. Eh bien, les autres veulent s'accrocher aux choses anciennes. Comme les Juifs, on leur dit que les Messie étaient déjà venus les partir. Non, nous attendons les Messie. Il sera comme Moïse. Ah bon. Et quand les Messie viendra, on nous a dit, nous avons lu les prophètes. Les prophètes ont dit, quand les Messie viendra, les montagnes seront aplanies, les vallées seront remplies. Ils ont regardé. Ça, ce ne sont pas les montagnes, ce ne sont pas les vallées. Quel Messie? Jésus n'est pas Messie. Oh, ils ne savent pas que les montagnes en question, les montagnes de leur cœur. Dieu quand il fait des choses, il n'explique pas. Il vous regarde comme ça, il se moque de vous. Voilà. Parce qu'il sait que l'épouse va saisir la chose. Voilà. Et les femmes vous dit, à la seconde venue de Jésus-Christ, les femmes vous dit qu'il n'y aura pas des hôpitaux, pas des ambulances quand Jésus viendra. Et le frère qui a dit, frère, regarde les ambulances, Jésus est venu. Nous l'attendons. Maintenant, si le frère Bana me dit qu'à la seconde venue de Jésus, il n'y aura pas d'ambulance. Et moi je dis que je vois que Jésus est venu. Frère, quand, même si vous montez l'ambulance, même si vous mettez l'ambulance, ouais. Il s'agissait d'autres façons, d'une sorte d'ambulance. Les femmes ont dit que dans les millénaires, il n'y aura pas de voiture. Parce que ça nous a produit la mort. Nous, nous sommes dans les millénaires, non? Mais ma voiture est carrée là. Et ça n'est pas de ça que nous appelons les millénaires. Et les femmes ont dit que les millénaires, c'est un repos. Et quand les bombes vont éclater, il y aura maintenant ce que les femmes ont appelé autrefois aussi les millénaires. Après l'éclatement des bombes, il n'y aura pas de voiture. Comme c'était avec Adam. Confusion. Les voitures sont là, elles sont bel et bien les millions. Et les femmes ont dit, c'était la nature de Dieu en eux. Ainsi, c'est la fille qu'ils avaient en eux, la nature de Dieu. Donc, l'un et l'autre avec Dieu, ils devenaient tous un. Or, nous aujourd'hui, nous avons cette nature. La nature de Dieu, les femmes nous avaient dit que dans le désert là-bas, c'était la nuée qui descendait. Cette nuée, c'est la chose qui descendait. Et les enfants d'Israël, quand ils regardaient, ils disaient que c'était Jéhovah. Et les femmes ont dit que l'homme qui a été créé, il était créé sous cette forme-là. Donc la nature divine, c'est cette chose-là. Et quand on voit la nuée descendre, on nous ramène notre véritable nature divine. Et en ce moment-là, nous sommes devenus lui. Quand on le cherche lui, il est moi. Amen. Jésus, oh non, Dieu sait dribbler les gens. Comme on disait de remercier, les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper les gens. Tous les grands événements que les gens attendent de la part de Dieu, ça vient toujours dans la simplicité. Pourquoi les gens ne lisent pas ce que Dieu a fait? Il a annoncé qu'il y aura un libérateur en Égypte, mais quand il est venu, c'était un bébé dans le berceau. On va dire que, oh frère, oh que Dieu soit loué, notre libérateur est venu. Il est où? Il est là. Ah, les bébés là. Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment les églises comme ça? Nous attendons le libérateur, nous nous parlons du bébé. Mais moi j'ai reçu la révélation que le bébé là c'est lui qui va nous délivrer. Donc, c'est-à-dire que le bébé là doit aller à l'école. Le bébé là doit étudier. C'est pas mon problème. Mais c'est le libérateur qui est envoyé. Qu'il soit bébé ou pas, mais c'est lui le libérateur. Au boy, au fanny. Oh, les gars, c'est ça le sort, frère. C'est le corps qui le tue. Voilà. Parce qu'avant de venir dans le corps, tu étais éternité. L'éternité. Quand tu es entré dans le corps, c'est l'éternité dans le corps. Amen. Et une fois que le temps là, parce que frère, le temps ce n'est pas la montre, le temps c'est votre propre corps. Amen. Une fois que le corps retourne, pour toi le temps c'est fini.
Et maintenant, quand ils ont regardé maintenant le bébé, ils ont refusé. Comme c'était la promesse de Dieu, le bébé commençait à grandir. Quand on vous colle, on mise au niveau. Mais Moïse n'est pas venu quand il avait 40 ans. Il était déjà là depuis l'âge de un jour. Et Dieu, c'est toujours la simplicité. Quand je dis qu'il y aura un enlèvement, ne pensez pas que ça sera de ton père. C'est zéro, frère. C'est toujours dans la simplicité. Quand vous dites qu'il y aura les jugements du trône blanc, vous pensez que Dieu va s'asseoir là-bas, un grand événement, le monde va s'arrêter, tout le monde y rejoint. Non! C'est toujours dans la simplicité. L'événement que nous attendons, le seul événement qui sera vraiment un événement, ce sont les feux littéraux. Ça, c'est le seul événement qu'il faut attendre. Quand ça va être ça, ça sera vraiment un événement. Même nous qui disons nous sommes épouses, nous allons crier. Parce que l'épouse, ce n'est pas ma chère. Donc, les choses de Dieu, c'est toujours dans la simplicité. Il y aura un Messie. Le Messie viendra pour délivrer son peuple. Oh, les églises prêchent ça. Tous les jours, le sujet, le Messie viendra. Alléluia, quand le Messie viendra. Oh, les Romains, là, vous les Romains, attendez, quand le Messie viendra, c'est fini pour vous. Siméon, qui avait la révélation, il va là-bas, il prend le bébé, il dit, oh, mes yeux ont vu le salut d'Israël, laisse-moi m'en aller. Là-bas, on continue toujours à prêcher. Le Messie vient de... le Messie était déjà là, dans la simplicité, frère. Le Messie grandissait. Quand le Messie venait à leur église, il commençait à combattre la chose qu'il cherchait. Nous voulons un enlèvement. Nous, les enlèvements, nous sommes venus pour vous dire que, frère, c'est déjà passé. On dit que nous sommes hein, des frères. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et le frère a bien expliqué ça. Le frère a dit, n'est-ce pas là une belle image? Dieu dans sa famille, les pères au-dessus de tout, suprême, pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, rien, tout simplement une joie indescriptible. Pas de maladie. Pas les chagrins, simplement un avec Dieu. Quelle image! Car la nature même de Dieu était dans ces gens. Et par conséquent, ce qu'il faisait, c'était d'agir simplement en accord avec Dieu. Et Dieu avec eux faisait un. Voilà pourquoi, quand il vient au temps de la fête, il s'est fait un avec nous. Dans quel but? C'est dans le but d'exercer un jugement. Dernièrement, un frère m'a appelé. Il m'a posé la question. Frère, que dites-vous de la nuit? Moi, je dis, frère, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va sur YouTube. Il y a une prédication là sur la nuit. Tu verras. Il dit, ah d'accord, je vais aller chercher. Il est parti chercher. Il a suivi toute la prédication. Il revient vers moi. Il dit, j'ai aimé la façon dont tu as expliqué la nuit. Tu as dit toutes ces choses-là, l'enlèvement c'est du passé, c'est bien, j'ai aimé. J'ai suivi même la dernière prédication que tu as prêchée. J'ai vraiment aimé. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te suivre. Il dit, j'attends même la prédication que tu avais promis que tu vas prêcher sur l'épouse juge. Voilà, ah, que Dieu te bénisse. Donc, c'est-à-dire que quand nous parlons ici, il y a des gens qui rejettent, mais aussi des gens qui reçoivent. Or, l'épouse, c'est elle qui est juge. Je vais d'abord lire ça. Avant d'arriver au fond. Le frère m'a dit que Dieu avait trois trônes. Le premier trône, c'était au ciel, qui était le judgment seat. Le deuxième trône, c'était en Christ. Et le troisième trône, c'est dans l'homme. C'est fini. Ciel, Jésus et épouse. C'est ça, trois trônes. Donc, s'il y a un travail que Dieu devait exercer, étant assis sur le trône, ça devait être dans les derniers. Parce que si Dieu n'exerce pas les jugements dans ce trône ici, ça dit que cela n'aura plus jamais lieu. Donc, si nous disons que nous sommes le trône de Dieu, c'est-à-dire que toutes les promesses données par Dieu devaient s'accomplir dans ce dernier trône. Et le dernier trône en question, c'est ça, le trône épouse. Amen. Voilà pourquoi quand la nuée descend, le frère va dire que c'est le juge suprême. Il vient pour clôturer l'histoire de ce monde. Frère Madame dit que ça n'est fini avec ce monde parce qu'il est déjà descendu pour exercer le jugement. Parce qu'on ne peut pas avoir le juge suprême depuis
comment, depuis 1963, le juge est là, il vous regarde, il juge. Non. Enfin, quand il a dit qu'il est descendu, il a déjà commencé à juger en Côte-Ouest. Il dit qu'il y a eu une explosion. Déjà, le jugement avait commencé. La nature avait déjà senti les secousses. La nature avait compris que c'était fini. Et maintenant, Fabanam dit, quand il juge, il va juger comment? Il va pas juger, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Allez, quitte-la. Toi, entre. Non. Le Fabanam me dit, comment est-ce qu'il juge? Il dit, Fabanam dit que Dieu juge par la parole. Amen. C'est la révélation de la parole qui est le jugement de la voilà. Nation. Quand on amène maintenant la révélation, pour dire que ce que vous avez vu là, au nom où nous irons l'enlèvement, on dit que maintenant, regarde ce que le Fabanam dit. Tu rejettes ça, tu es jugé. Amen. Néantiquement, tu es parti. Et on te laisse dans l'enfer. C'est quoi l'enfer? L'église. Amen. Donc, tu ne prends pas ce que le frère Branham a dit, tu as néanti le tout. C'est ça le jugement, parce que Dieu juge par la parole. Amen. C'est pourquoi, au dernier temps, la chose la plus importante, c'est la parole. Les miracles viennent après. Nous croyons, oui, nous croyons que nous avons la puissance de guérir, mais ce n'est pas ça la chose primordiale. Certes, nous avons besoin d'être, ce n'est pas ça. Nous ici, on ne fait pas pour ça. Amen. On n'est pas là pour faire l'une des prières. Frère Bada me dit, tout celui qui vient de la ligne de prière, c'est un incrédule. Frère Bada me dit, si tu crois, pourquoi tu es venu? Voilà. C'était une volonté permissive. Même l'imposition de main. Oui. Frère Bada me dit que ce n'est pas important. Il dit, tu peux être guéri là où tu es assis. Dans les médias de Frère Bada, les gens s'assoyaient là-bas et guérissaient. Bon, le Frère Bada était démocrate, il ne vous dira pas, okay. Non, venez, mais il vous dit que vous êtes des incrédules. Celui qui croit, il reste là et il est guéri là. C'est pourquoi on ne passe pas l'état dans la limite de prière. Frère Madame, si vous regardez en réalité, donc le frère Madame ne croyait même pas la ligne de prière. Frères et frères, quelle ligne de prière? On va prêcher la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté, c'est la connaissance de la parole. C'est là où on comprend que le pasteur ne peut pas se jouer de moi. Yes. Parce que je suis une divinité. Amen. Le pasteur te dit que toi là, tu iras à l'enfer. Est-ce que lui d'abord il a le pouvoir? Même la clé de l'enfer. Même lui-même d'abord, peut-être qu'il est déjà en enfer lui-même. Hey. Il ne prêche même pas la vérité, mais même envoyé en enfer. Quel enfer? Bien. Frère, alors, si tu blagues, tu verras. Mais j'attends. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la vérité. C'est ça. Nous nous croyons à la liberté. Donne la parole aux gens. Faut pas menacer les gens. Pourquoi tu les menaces? Donne-leur la parole, c'est fini. Nous nous sommes devenus nous-mêmes les trônes. Eh ben. Maintenant, le temps est parti. Now, what is a man? He's a true being, body, soul and spirit. Je prends en rouge. What is the heart? You remember my message. C'est-à-dire que l'homme, en réalité, c'est l'âme. Et le frère Branham dit, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Ah ouais. C'est-à-dire que, frère Branham dit que le Saint-Esprit, c'est Zoé. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et quand Dieu vient au niveau de l'âme, l'âme ne produit pas de sensations. C'est l'homme qui reçoit la parole, qui dit Amen à la parole. Et il comprend maintenant sa position. Mais quand le Saint-Esprit, Dieu, vient au niveau de l'Esprit, là, c'est là où l'homme dit Alléluia! Ça, c'est le cinq sens de l'Esprit. Oui. Un homme comme ça, frère. C'est pourquoi le frère Branham dit tu peux être baptisé sur l'Esprit et aller à l'enfer. Puisque l'Esprit, ce n'est pas toi. Le véritable toi, c'est l'âme. Et quand l'âme reçoit Dieu, c'est comme Marie. Dans la sépulture, le frère Branham dit que Marie n'a eu aucune sensation. Parce que Marie avait reçu la parole de vie. On veut lui dire, Marie, tu seras enceinte. Dis qu'il me soit fait selon ta parole. Frère Branham dit, aucune sensation. Elle était toujours pareille. Elle s'est promenée pareille, mais elle croyait. Vous comprenez? Quand Dieu descend, c'est pourquoi Frère Branham dit que c'est un grand mystère. Les baptêmes du Saint-Esprit sans sensation. Tu veux avoir les sensations pourquoi? Les autres de Dieu dans l'église, s'ils ne tremblent pas, ils pensent que Dieu n'est pas venu. On n'a pas envie de trembler. On prêche la parole, les gens disent Amen. C'est ça. Tu veux trembler pourquoi?
Dire amen à la parole, c'est ça avoir le Saint-Esprit. Les femmes ont baisé. Écoutez. Il dit, le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme. C'est là que nous devenons un. Un dans l'objectif, un dans l'œuvre. Écoutez maintenant. Si un frère méthodiste gagne 100 âmes pour Dieu, amen et amen. Si le presbytère ou qui ce soit gagne une âme, frère Branham dit si. Or, un presbytère ne peut pas gagner une âme. Si. C'est au conditionnel. Or, un méthodiste, il faut comprendre le langage de frère Branham. Un méthodiste ne peut pas gagner. Il va gagner l'âme, on gagne l'âme avec la parole. Toi, tu vas gagner l'âme avec quoi? Avec la dénomination. C'est impossible. Frère Branham dit que s'il gagne, il devient mon frère. Et s'il ne gagne pas? Il n'est pas mon frère. Or, nous savons qu'en dehors du lieu d'adoration, le frère Branham dit que vous êtes dans la mort. Ça dit que s'il ne gagne pas, il n'est pas mon frère. Donc les gens ne mettent pas. Il va dire la sauté. C'est ça la réalité. Nous sommes là pour le juger. Les juges n'est pas la famille des accusés. Amen. Nous, avec les accusés, on n'est pas la famille. Si on te met quelqu'un de ta famille, c'est difficile de juger. Mais, au temps de l'affaire, le juge a l'autorité. Parce que la Bible dit, elle avait aussi l'autorité à pardonner. Mais c'est elle qui a tout. Je vais clôturer. Les jugements s'assirent. Les livres furent ouverts, des livres furent ouverts, et un autre fut ouvert, qui est le livre de vie. Il les a séparés. Là, le bouc d'avec les brebis. Pas avec. Qui? C'est l'épouse. Qui est assise? Qui sépare. Donc, quand l'épouse est sur le trône, il y a aussi deux groupes qui arrivent. Et c'est l'épouse qui sépare. Où est Dieu? Dans l'épouse. Amen. Donc, elle a une grande responsabilité, l'épouse. Il veut que tu aies. Ça, il dit, ça n'a rien à voir avec l'épouse. Elle était là en train de juger. Où est l'épouse? Elle est sur le trône en train de juger. Avec sa reine. La reine et le roi ensemble, il veut avec ses saints, des dizaines de milliers, les servaient, son épouse. Ensuite, le jugement s'assit, et alors les brebis ont été séparés d'avec le bouc. Donc, quand on parle de la séparation des brebis d'avec le bouc, ça, ce n'est pas l'épouse. Les gens pensent que c'est la vierge folle et la vierge sage. Non. Ça, c'est déjà passé, l'histoire des vierges folles et ça, c'est déjà du passé. Ça, c'est dans les âges de Christ. Mais devant le trône blanc, l'épouse est assise là. C'est elle maintenant qui sépare le bouc et les brebis. Vous comprenez? Nous, maintenant, l'épouse nous sépare. C'est là où nous regardons. Nous faisons grâce à qui nous voulons. Voilà pourquoi le frère dit que quand la pierre est descendue, ça criait grâce, grâce, grâce. Mais la grâce là, c'est la décision de l'épouse. C'est ta décision, c'est ma décision. Les gens de notre famille, les gens qui nous ont fait du bien, ils peuvent ou ne pas être la sémence, mais nous avons la capacité et le pouvoir de leur donner la vie. Amen. Je prends l'exemple comme nos mères. Comme disait le frère Prince, sa maman, elle l'appelle Marie. Pourquoi? Sa maman a enfanté Jésus-Christ. Amen. Parce que Marie a gardé Jésus dans son ventre. Nos mamans aussi nous ont gardé dans leur ventre. Mais moi, en tant que juge, c'est-à-dire le juge, l'épouse ne demande même pas la permission. C'est elle-même. Hein, c'est bon. Ne pleure pas, maman. Elle va bien. Frère Joseph, ne pleure pas ta mère. Elle va bien. Oui. Parce que tu les as déjà réclamés. Amen. Même pas réclamés, mais tu les as donné la vie. Amen. Le frère va me dire. Ensuite, les jugements ainsi, et alors les brebis ont été séparés d'avec le bouc. Vous vous souvenez, l'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation, pour vous faire comprendre la méditation du cow-boy. L'épouse a la charge du jugement. Ensuite, regardez, vous dites, eh bien, frère Branham, vous n'allez pas me dire, ces gens qui seront là au jugement du trône blanc. L'épouse ne sera jamais jugée. Non, monsieur, elle est en Christ. Parce qu'il est né le lieu d'adoration. Comment entre-t-on en Christ? Nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps.
l'épouse, le corps là qui est venu. L'épouse entière. Il y aura des gens ici après nous, je vais clôturer. Maintenant, regardez. Regardez bien, je vais prendre la partie en rouge. Des myriades de Marie, des myriades l'accompagnaient. Elle les servait pendant le jugement. Voilà Jésus qui revient, le roi et la reine, après le mariage. Amen. Wow. Quand il vient comme juge, le mariage, ce n'est pas un futur, c'est le passé. Parce que quand il vient roi et reine ont le même nom. Quand Esther devait entrer dans la chambre du roi, c'est parce qu'elle était déjà la femme du roi. Et toute loi qui était contre le royaume n'était pas contre Esther. Parce qu'elle était elle-même la reine. Elle arrive là, la première chose qu'on lui donne, c'est la parole. C'est-à-dire le sceptre du roi. Quand Esther arrive là, on tend le sceptre. Dès qu'elle a touché le sceptre, la mort disparaît. Et on dit, demande tout ce que tu veux. Si Esther a dit, le roi, laissez Aman tranquille. Aman n'allait pas mourir. Si Esther dit, quand Esther a dit, je veux que Aman puisse mourir, il n'y avait pas de délibération, ni d'intercession. Ce que Esther avait dit, c'était comme ça. C'est ça l'épouse aujourd'hui. Amen. Le frère Balaam, lorsqu'il prêchait, il y avait un jeune homme avec sa copine qui s'embrassait dans la salle. Dieu dit au frère Branham, dis tout ce que tu veux. Ce n'est pas Dieu qui allait parler. C'est le frère Branham qui avait l'autorité de parler. Le frère Branham dit, si je disais mort, il dit sur les champs, ils allaient mourir. Parce que Dieu aujourd'hui ne décide plus. Dieu donne tout à l'épouse. Et Dieu ne donne pas comme il donne lui le reste. Quand on dit que Dieu donne à l'épouse, c'est-à-dire qu'il s'est donné lui-même. Donc tout Dieu est à l'épouse. Et en dehors de l'épouse, Dieu n'existe pas. Amen. Et si les gens comprennent le mystère de l'épouse, ouais, ils vont nous respecter. Voilà. Parce que je peux prononcer n'importe quelle parole contre quelqu'un, ça marchera. Ouais. Au moins que tu ne sois pas épouse. Mais si nous sommes l'épouse, nous avons tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs m'ont été donnés. Au ciel et sur la terre. Amen. Après, il est marié. Voilà les rois et la reine qui sont là. Et voilà ce groupe sanctifié. À qui Dieu dit, mettez-vous à ma droite. Oui. Ce groupe sanctifié. Parce que les gens là, ils étaient aussi sanctifiés. On n'est pas épouse parce qu'on vit bien. Non. On est épouse parce qu'on a la même nature que l'époux. Et les gens qui vivent bien, qui n'ont pas la nature de Dieu, en ce moment-là, on le voit maintenant venir. Le frère m'a dit, voici ce groupe de gens sanctifiés. Mettez-vous à ma droite. Et là, ce livre a été ouvert. C'est lui des pécheurs. Mettez-vous là à ma gauche. Ici, ce sont ceux dont les noms étaient écrits dans les livres de vie. L'épouse, elle ne peut pas être perdue. Mais les autres, c'est l'épouse qui a décidé. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu. Et il a dit des myriades de cerveaux. Je prends un verre. Et des myriades de cerveaux. Les jugements s'assient. Et le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé les messages. Amen. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans la pyramide, c'était l'épouse. Mais quand on arrive là, c'est le jugement. Et la grâce, c'était ici. Quand on arrive là, c'est le juge suprême. Qui descend pour exercer le jugement? Contre qui? Contre les gens qui ont refusé le message ici. Parce qu'il y a la pierre de fer. Les gens disent que la pyramide est coiffée. Mais ils ne croient pas que Jésus est venu. Or, la pierre de fer, c'est Jésus lui-même qui est l'épouse. Clôturé. Jésus est debout, la pierre de fer sur le trône.
quand ces saints l'ont couronné, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est la pierre de fête. Quand on arrive au niveau de la pierre de fête, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est là, frère Branham dit, il est là avec son épouse, le roi. Il est la pierre de fête, le trône, quand les saints l'ont couronné. Or, une couronne, frère Branham, la Bible dit, la toute femme est une couronne pour son mari. Quand Jésus revient avec une arc-en-ciel au-dessus de sa tête, c'est l'épouse qui est venue avec elle. Quand Jésus vient, il se déverse dans l'épouse et l'épouse devient elle-même le juge. Et Dieu n'exerce pas le jugement à part ce qui est fait par l'épouse. Combien d'entre nous reçoivent les membres? Avez-vous entendu parler de monsieur quel est-il? Ces magazines et tout ça, n'avons-nous pas montré ça? Un an avant que cela arrive, la science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Et il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec sa perruque blanche sur la tête. La nuée qui est descendue, c'est Jésus-Christ couronné. Il est couronné par son épouse. Frère Bonhomme dit que c'est Jésus qui est retourné avec son épouse. Et le frère Bonhomme dit que c'est le juge suprême. Amen. Et quand elle vient comme ça, l'épouse, elle vient pour exercer le jugement. C'est là où elle est juge, c'est là où elle est assise sur le trône. Elle juge comment? Elle juge par la parole. Alors tu me diras, frère, vous dites que vous êtes dans le millénium, vous dites que l'enlèvement est lieu, pourquoi vous prêchez? Nous prêchons parce que Dieu juge par la parole. Amen. Donc quand je vous amène le message qui a été prêché dans l'exage, tu refuses ça, c'est ça le jugement. La dernière citation. Comme il dit, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, les juges suprêmes du ciel et de la terre, juste là, même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. Et à l'observatoire là-bas, à l'université de l'Arizona, et un peu partout au Mexique, ils font des recherches et ils en font depuis 2 ans. Et vous, à l'avance, cela vous avait été dit que cela allait arriver. La science va étudier quoi sur ça? La science ne saura rien. Frère Branham dit que la science, après avoir étudié, on a amené la photo, frère Branham. Frère Branham, c'est quoi? Il dit, je ne sais pas. Il vient dire à l'église, je ne les ai pas dit parce que ce n'était pas pour eux. Amen. Il dit, mais c'était pour vous. Amen. Frère, la science ne comprendra jamais la parole de Dieu. Et ceci a été donné aux gens appropriés. Parce que là, c'était le retour de l'épouse. L'épouse est revenue dans la nuée pour exercer un jugement. Donc elle devait elle-même, donc la reine du monde, la propriétaire, parce que Frère Branham dit que la terre c'était l'héritage de l'homme. C'est en ce moment que Dieu remet la terre à l'homme et l'homme va exercer le jugement. Elle est déjà en train d'exercer le jugement. Et à la fin de ça, le roi du Nord va purifier cette terre avec du feu littéral et tout va passer. Et en ce moment-là, on n'aura plus besoin de voiture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je me réjouis de tes jours quand je marche.